vin vre ou, e ou ke bim la. Mwen san mwen souf, me ou reme mwe. Ma pyon mwen souf, pou ala mwa. Ou ban mwen zel, pou mka vole. E ou ban mwen yon chan, pou kolo ye siel la. Samge ye fin de ou et tout sam besoin c'est tout tout mais Jesus grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Lumière et paix à chacun de vous. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Nous saluer nos bien-aimés dans le très puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui-même qui fait nos grâces. Nous capables de retrouver nous encore une fois dans un jour que lui mettait à part pour nous étudier parole, afin que nous capables grandir dans connaissance parole là depuis jour ça arrivé nous connaît c'est un le dans le ça qui est consacré à étude parole bon Dieu donc c'est pas un le pour nous occuper l'autre bagaille c'est un le qui est consacré à étude parole là. Donc nous pral disposer que nous pendant que nous pral inviter mettre parole là avec une prendre place dans mi-temps nous pour le diriger nous pour le guider nous car pour compte nous pas capable faire rien. Et c'est peut-être ça nous besoin, puissance Saint-Esprit, qui pour venir prendre contrôle pensée nous, qui pour venir prendre contrôle nous, contrôle l'esprit dans mon corps, afin que tout ça qui pourra le faire pendant un moment ça, il est capable de faire sous direction, sous instruction directe Saint-Esprit, et pour nom bon Dieu glorifier, disposer cœur. Pendant que la sœur Lucie pourra le prier pour nous, pour inviter mettre parole là, avec une bonne place dans mes temps, nous. Rentrer dans son cœur. Merci Seigneur. Éternel, Dieu d'amour, Dieu toi sois saint, Papa, nous qui dans le ciel là. Nous louons, nous bénissons, nous boissons de grâce que nous-mêmes seuls nous méritons, cher Seigneur. Papa, nous nous merci pour journée ça que tu fais nous passer en ta sainte compagnie. Nous nous remercions parce que jusqu'ici, Seigneur, où tu es secouru nous jusqu'ici, où tu es veillé sur nous, afin que nous soyons capables de vivre dans le moment ça. Moment qui est réservé pour étude parole. Moment qui est réservé pour nous capables de fouiller la Bible, Seigneur, parole, ce qui est pour nous capables de comprendre, pour nous capables de vivre, pour nous capables, Seigneur, comprendre qui ça commandé nous, qui ça pour nous faire, comment pour nous faire, puisqu'on dit, pas retirer, pas mettre dans ça que vous-même vous écrit. Eh bien, papa, nous m'en avons tant pris à souhaiter à mettre à disposition de cœur dans chacun de nous-mêmes. Et ouvrir que porte cœur nous. Ouvrir l'esprit, ouvrir l'intelligence nous. Afin que ça que nous prenons le temps de dire là, Seigneur, il est capable de servir nous pour l'avancement de ton œuvre. Oui, Seigneur. Papa, nous nous merci déjà. Et nous m'en avons tant pris à dépouiller nous de la chair et de sang. Ici là, tout qui pral et fait étude là avec nous, papa va dépouiller de la chair et du sang, ou va couvrir avec puissance cet esprit, afin que papa, tout ça que le pral dit nous, tout ça que le pral enseigne nous, c'est ça que ou même, ou va mettre dans le cœur pour l'enseigner nous. Nous prions comme ça dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange dans les siècles et des siècles. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Encore une fois, mes bien-aimés, nous saluons nous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous souhaitons nous bienvenue et bonne participation à notre soirée d'études bibliques. Amen. Comment semaine nous t'aimons, mes bien-aimés?
Très bien avec Jésus. Très bien avec Jésus. Très bien avec Jésus. Moi, content en déjà. Nous-mêmes, tout, nous très bien. Nous n'avons pas avancé très sérieusement dans mon accomplissement, nous. Donc, je vous ai très bien pour nous au nom puissant de Jésus. Et je suis content que nous-mêmes, tout, l'était. Amen. Donc, c'est toujours avec un pile que content. Le moment ça arrivé pour ensemble nous étudier parole bon Dieu. Donc, mes bien-aimés, nous connaissons. Nous, le moment ça arrivé, c'est principe 3B à qui appliquer. Nous avons besoin de Bible, nous, beaucoup de nous. Nous avons besoin de bloc-notes, nous. Et nous avons besoin de Bic, nous, ou bien stylo, nous, plume, nous, dans la main, nous. Nous avons besoin de 3 BO pour nous capables de passer un moment, pour nous capables d'étudier la parole, bon Dieu. Et nous connaissons dans quelle série que nous y est. Qui ça n'a pas étudié là, mes bien-aimés? Quand nous avons deux semaines, nous n'avons pas rencontré, mais monsieur est certain que nous songeons côté nous y est. Dans qui étude nous y est là? Qui s'en a étudié qu'on y est? Nous avons étudié lettres aux églises. Nous avons étudié les sept lettres à l'église de l'Apocalypse. Sept lettres de l'église d'Asie mineure. Et il y a deux lettres nous déjà. C'est qui les tuer? Il y a deux lettres que nous étudions déjà, c'est qui est tué. Hein? Très bien, l'église d'Éphèse et l'église de Smyrne. Très bien. Nous étudions deux lettres ça déjà, lettre à l'église d'Éphèse et lettre à l'église de Smyrne. Les dernières lettres que nous étudions, c'était lettre à l'église de Smyrne que nous connaissons. Et chaque lettre ça y est, bon Dieu, Jésus-Christ présenté sous un nom. La dernière lettre que nous étudions, qui c'est Smyrne, nous songeait que il était identifié comme étant le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant, c'est-à-dire qui est ressuscité. À travers cette lettre, nous dit que Jésus-Christ vient présenter effectivement comme le vivant. Donc, il n'est pas mort, il n'est pas dans le tombeau encore. Si on monte maintenant tête, que vous avez servi un Dieu qui est mort, non, c'est un bon Dieu vivant qui a servi. Donc, notez, ouais, dans l'être ça, côté vraiment, l'été parlé, non, l'été montré, non, à travers cette lettre, côté, l'été fait empiler l'éloge pour chrétiens de Smyrne, et notez, ouais, que les chrétiens de Smyrne, à partir de gens qui ont été servis, bon Dieu, ils ont été fidèles, et notez, ouais, que c'est un véritable modèle pour nous chrétiens, aujourd'hui, et pour les chrétiens de tous les temps. Parce qu'ils ont préféré, parce que chrétiens de Smyrne ont préféré et le vrai trésor aux richesses de ce monde. Ils ont fait mes yeux sur richesse monde-là. C'est pas des chrétiens qui t'ont couru derrière l'argent, c'est pas des chrétiens qui t'ont couru derrière matériel monde-là, mais c'est des chrétiens qui t'ont couru derrière Jésus, qui t'ont couru pour ciel-là, qui t'ont besoin river tout bon vrai dans ciel. C'était eux-mêmes ils ont branché vrai trésor là. Ciel. Donc, et ça fait le dit, je connais. Je connais les œuvres, je connais qui ça nous fait. Et moi, je suis bien choisi. Elle dit, le Seigneur indique aux chrétiens de Smyrne qu'il sait tout cela. Il connaît tout ça, il fait. Il connaît tout ça, il prend. C'est l'église qui était persécutée. Qui était persécutée, pas vrai? Très bien, l'église de Smyrne, c'est une église qui était persécutée. Il était bayo en pile problème, il était parlé au mal, il était bayo menti sou yo. Il était en bas calomnie, hein? L'église de il était obligé à supporter toute calomnie, toute médisance que t'a fait sou yo. Il parlé au mal, il inventé parole sou yo. Il bayo en pile problème. Et il était dit yo, il a pas besoin peur. Nous pas besoin peur diable là, nous pas besoin peur malin, parce que moi-même m'avoue, l'été dit yo, n'ayez pas peur. Le Seigneur te dit yo, les chrétiens de Smyrne, n'ayez pas peur. Donc si les hommes peuvent toucher vos biens terrestres, eh bien, s'ils peuvent parfois tuer votre corps, eh bien, ils sont incapables de toucher à votre âme.
Donc, yo pa gen pouvoir sou nanm nan. Yo ka krasé koa, yo ka fè tout sa yo vle ak koa, men nanm ou pa gen moun ki gen aksè a li menm, et c'est ça qui fait nous pas besoin peur. Les actuels à travers l'ETSA, il était montré donc que nous pas besoin parler de diable, nous pas besoin à parler tout le temps de malin, nous pas besoin à parler tout le temps de l'autre là, mais prier plutôt pour ennemi nous yo. Ça fait nous te dit ou faut que nous fait très attention en pile fois n'a diabolisé you moon. Nous nous dit un tel c'est mauvais monde, un tel c'est ceci, un tel c'est cela. Mais nous pas jamais réalisé dans un tel ça que n'a dénoncé, n'a diabolisé un tel là. N'a dit c'est diable qui dans un tel, n'a dit un tel c'est mauvais monde, un tel c'est X, un tel c'est Y. Mais nous pas jamais réalisé que un tel c'est un corps que un tel y est. C'est servi, yo servi avec corps un tel pour yo agit à travers un tel. Pour you, l'autre, pour l'autre, là, agit avec un tel. Les affaires, ou de prier pour un tel. Pour tout ça, un tel affaire, c'est affaire, frère, affaire, qui pas bon, parce que, il pas sorti dans mon Dieu, mais ou pas diaboliser, ou pas craser, mais ou plutôt prier pour lui. Parce que, c'est des mouns, même j'avais nous, mais, à cause de faiblesse, yo, eh bien, malin, hein, utiliser, yo. À cause de incrédulité yo malin utilisé yo, donc nous obliger nous-mêmes yo te wè ça dans lettre là pour nous prier pour yo. Amen. Donc c'est comme ça mes bien-aimés, regardez l'église de Smyrne, eh bien c'est des chrétiens qui étaient fidèles jusqu'à là, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, il était prêt pour mourir pour Jésus. Amen. Donc, nous allons continuer dans la série. Et je dis, nous prenons la troisième lettre. Nous prenons étudier ensemble, je dis, la troisième lettre. Nous. Troisième lettre, là, c'est qui l'est lié, c'est il lettre que yo écrit à l'église de Pergame. Qui ça me dit? Nous pral wè jodi a qui ça? La lettre à l'église de Pergame. Très bien. La lettre à l'église de Pergame. Mais pour nous étudier lettre ça, nous pral ouvrir Bible avec moi. Dans Apocalypse chapitre 2. Sorti dans verset 12 pour arriver dans verset 17. Mon qui joint ni, il va dire amen et il va faire lecture là pour la gloire de Dieu. Apocalypse 2 verset 12 à 17. Amen. 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 C'est pour oui, amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Apocalypse 2, verset 12 à 17. Apocalypse 2, verset 12 à 17. Voici ce que dit cette. Dans Apocalypse 12. Apocalypse 2, allez-y. Amen, amen, amen. Amen. Apocalypse 2, verset 12. 12 à 17. 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renier ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous
là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi, donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écris, ange, l'église qui est dans la ville Pergame. Dis-le comme ça, mais ça moun qui gagne pefi les deux bois ou et dit ou. Moi connais. Autorité, c'est la Satan, chita. Ou pas la game, ou pas perdu confiance ou gen en moi. Même le, yon te fait touye Antipas qui mourit peut-être moins, là, dans mi temps nous, dans la ville côté Satan rete ya. Mais, mes reproches, moi gen pour me faire, ou gen kek moun la kayou, kap soub conseil Balaam. Te bay, le li te monte, Balak sa pou te fè, pou fè petit Israël yo tombe nan péché. Pou te fè yo manje, vyann bèt yo te ofri pou touye bay zidol. Pou te fè yo lage koyo nan immoralité. Konsa tou, ou gen kek moun lakay yo, kap suiv konsey Nikolaït yo. Tou men, vin jwenn bon Dieu nan. Si ou pa fè sa, talè konsa m'ap vini. M'a goumen ak moun sa yo ak nepe kap sorti nan bouch mwen c'est pour moun ki gen zorey pou yo tande sa l'esprit bon Dieu ap di l'église yo tout moun ki va goumen jou ki yo gen bataille la m'a ba yo la man ki kache ya m'a ba yo chak yon ti wòj blan ak yon lot non ekri sou li yon non personne pa konnen excepté moun qui recevoit là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, mes bien-aimés, nous tendez l'être là, pas vrai? Nous tendez tout ça qui dans l'être là, pas vrai? Amen. Oui. Yes. Ça c'est l'être que qui est-ce qui écrit l'être ça? Qui est-ce qui écrit l'être ça? Qui est-ce qui écrit l'être ça, bien-aimé? C'est pas Jean. Qui est-ce qui écrit de l'autre lettre, yo? Jean. Apôtre Jean. Je rapporte l'être là. Jésus. Ça, c'est l'être que Jésus voyait by qui l'église? L'église de Pergame. L'église de Pergame. Jésus. Yes. C'est Jésus-Christ qui écrit l'être ça by l'église Pergame que je rapporte. Je suis un simple messager. Okay. Donc c'est parole que yo bay Jean, c'est lettre que yo, c'est parole que yo dicté Jean. Jean lui-même li pote lettre ça aller. Bay l'église Pergame. Nous dit que c'est troisième l'église que n'a pouwè nan cette l'église Aziminia mette gen ou bonne l'autre l'église mais bien-aimé. Ça c'est cette l'église type, son typologie, c'est cette l'église modèle. Mais
c'est l'église de Pergame. Pergame, non? Voilà. Pergame, non, vous l'avez dit qui ça? Pergame, non, vous l'avez dit littéralement citadelle. Là où est citadelle, où est son bagage? Géant, pas vrai? Et de citadelle, où est son bagaille colossal, son gros bagaille. Eh bien, c'est de non ça que nous jouons nous, il y aurait les parchemins. Parce que les de parchemin, on connaît son bagaille qu'il a pour son support pour mon et pour mon écrit. À son bagaille qui fait à partir de qui ça? À partir de peaux d'animaux. Et vraisemblablement, d'après toute recherche qui est faite, eh bien, parchemin, hein, eh bien, il a fabriqué premier parchemin hein, dans la ville, ça, Pergame. C'est à la ville, ça, que il a fabriqué premier parchemin. Pergame, je dis à yo, qui porte nom, Bergame. Côté son ville qui passait sous tête, un sommet de 300 mètres de haut, mes bien-aimés. Donc, pleine, fertile, en pile, qui est très très belle. En pile qui va trop loin, la mer Égée. Mais, qui t'aime donc, pendant plus de 250 l'année comme ça, eh bien, il était servi de capitale pour province romaine Asie mineure. C'était une sorte de capitale, c'était une grande ville, c'était capitale moins d'eau. L'Itéye à une époque. C'était un véritable centre religieux, Pergame. Très important. Mais pour qui ça? C'était pour les cultes païens. C'était un véritable centre religieux pour cultes païens. Et notamment, culte à Athéna, chez Minerve, chez côté au Caïomen, et tout ça, c'était faux Dieu. Vous comprenez? Esculape, faux Dieu toujours, Dionysos, Bacchus, Zeus, Jupiter, donc tout le monde, ça, c'est là, dans la ville, ça, vous avez adoré faux Dieu, ça. Donc, c'est la première ville, mes bien-aimés, d'Asie, côté. Il était construit un temple qui est dédié à l'empereur. Ça t'est passé en 29 avant Jésus-Christ. Donc, ville, ça, mes bien-aimés, il était venu capitale, moi dis, des cultes païens. Capitale, moi dis, culte qu'il a fait à l'empereur. C'est ça que fait. Regardez qui Jean Jésus-Christ identifié dans l'être ça. Regardez qui Jean l'identifié à l'église de Pergame. Qui Jean l'identifié à l'église de Pergame? Comment c'est l'être là encore? Celui qui a l'épée aigu. Ok. À deux tranchants. Ok. Comment l'identifier? Celui qui a l'épée aigu à deux tranchants. Nous voyons comment l'identifier. Nous songer. Comment était identifié à l'église de Smyrne? À chaque église, elle identifie les gens. Pas vrai? À chaque église, elle identifie les gens. Qui va te identifier dans la dernière église que nous avons vue, l'église de Smyrne? Est-ce que nous avons qui va te identifier? Comme premier et le dernier. Très bien, il t'a identifié là, l'église de Smyrne comme le premier et le dernier. Yes. Il te dit, c'est lui-même qui vit, qui est vivant. Et voilà que, à l'église de Pergame, eh bien, qui j'en l'ai identifié?
l'identifie comme qui monde, l'identifie comme monde. Comme celui qui a l'épée aiguë à l'épée de tranchant. L'identifie comme monde qui a une épée filée de bois. Monde qui a une épée qui filée de bois. Vous comprenez ça, ça veut dire? Nous prenons le sapi devant. L'identifier comme monde qui a une épée qui file de bois. Parce que, songez, me dis-nous ça. Donc, pour la troisième fois, Christ paraît, nous sommes capables de là, pour la troisième fois, Christ paraît sous une autre facette. Sous une autre facette, sous une facette différente de deux premières facettes que te paraît. À l'église d'Éphèse, il te paraît sous une facette comme celui qui marche. Nous songez au milieu des sept chandeliers d'or, tenant, songez bien, tenant dans sa main droite les sept étoiles, qui c'est sept églises. Ouais, pas vrai? Il était présenté comme celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Pour venir dans ce même, il dit, lui c'est le premier, lui c'est le dernier, celui qui était mort et qui est ressuscité. Et c'est pour être salté mandé, pour à fidèle l'église mignon, pour être rété fidèle à petit lion, dans l'église mignon, lui te mandé pour rété fidèle jusqu'à la mort. Parce que l'été promet que yon bagay. L'été fait yon promesse. Un couronne de vie. Très bien. L'été promet yon couronne de vie. Et voilà que troisième facette que nous vivons, que le Seigneur Jésus-Christ présenté là, l'identifie à l'église de Pergame comme étant celui qui a l'épée aiguë. Monde qui gagnait épée qui filait de bois. Ça veut dire, mes bien-aimés. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui pral vini yon instrument de justice et de jugement. Après, depuis, on parle de épée, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Eh bien, il est destiné à devenir un instrument de justice et de jugement. Donc, nous parlons ça puis devant. Nous parlons ça puis devant au fur et à mesure que nous avons avancé dans l'étude là. Eh bien, nous parlons comprendre tout bagaille. Donc, il se fera connaître ainsi différemment la fait connaître pour chaque l'église, il fait connaître sur une facette. Mais, ça pour nous remarquer bien, sous facette la fait qu'on est là, et bien c'est une facette, c'est facette ça a un accord, facette ça a un harmonie avec qualité message que lui voyez par l'église ça. Est-ce que nous avons? Amen. Nous pas comprendre ça, Mdia, non? Est-ce que nous clair dans samedi à là? Moi dit sous facette, nous présenter là, lui en harmonie avec qualité message que lui voyait by l'église ça. Mais continuer? Yes. Continue. C'est ça que fait. Ou te doit poser ton question. Mais pour qui ça l'est pas présenté? Son seul monde n'a lié. Pour qui ça l'oblige de présenter à chaque église ou façon? Ou pas poser ton question ça? D'après, c'est d'après Jean l'église ou comporté ou Eh ben, c'est ça que je dis nous là, oui. Non pas avec. Ou pas poser tête aux questions, pour qui ça m'a présenté, pour qui ça Jésus-Christ présenté, qui présente une façon, chaque église le présente une façon. Pour qui ça ne pas présenté tête une seule façon, parce que c'est un seul monde dans lié. Pour qui ça l'oblige de présenter chaque l'église, le présenter son facette. C'est parce que moi dis là,
chaque l'église yo, c'est un type. Et j'en présente la présentation ça, li en harmonie, li en accord, li en adéquation avec le message que li délivré by l'église ça. Est-ce que nous comprenons? Mm-hmm. Ok. C'est ça que fait. Bon, commentateur biblique nous connaît qui est très très populaire, le commentateur John MacArthur. Eh bien, monsieur notait dans un commentaire li que épée aiguë ça qui sortit dans bouche bon Dieu, qui sortit dans bouche bon Dieu, c'est qui ça lié? Eh bien, li c'est la lourde épée à deux tranchants qui évoque le jugement qui atteindra ceux qui attaquent le peuple de Dieu et détruisent son église. En alpha un coup d'œil avec dans 1 Corinthiens chapitre 3 les versets 16 et 17. On nous garde pour nous. 1 Corinthiens 3 les versets 16 et 17. On nous garde ça dit. Mon qui joue nous dit amen et puis fait lecture. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car mm-hmm. Le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint et c'est ce qui vous êtes. Amen. Est-ce que nous pas connaît ce temps bon Dieu à nous yé? C'est l'esprit bon Dieu qui rete nan que nous. Eh bien, si yon moun krasé temps bon Dieu a krasé tout. Parce que temps bon Dieu c'est yon bagay qui a pas pour lui. C'est nous-mêmes qui temps bon Dieu a. Amen. 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 Merci Seigneur. Le nous garder mes bien-aimés yon l'autre côté. Pabli nous dit le nous est épée à double tranchant, eh bien, c'est qui s'allier? Instrument de justice et de jugement, notez-le. C'est pour ça oui toi béa là. Que des plumes nous nan men nous, un bloc notre nous nan men nous. Faut que nous notions, mes bien-aimés. Nous pouvons regarder. Instrument qui s'est passé là. Instrument de justice et de jugement. Épée aiguë égale. Épée aiguë, instrument de justice et de jugement. Nous pouvons regarder dans Psaume 149, les versets 6 et 7. Gardez pour nous. Psaume 149, versets 6 et 7. Soujouen nous dit Amen. Et fait lecture pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Psaume 149, versets 6 et 7. Et 7. Très bien. Que la louange de Dieu soit dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Alléluia. Merci Seigneur. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Amen. Merci Seigneur. C'est pour y avoir les bienfaits, le fait louange, mon Dieu. Avec l'épée, moi, yo. Avec l'épée, dans main, yo. Pour tirer revanche sur nation, yo. Pour peiner peuple, yo. Amen. 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 Il était avec moi. De l'autre côté, mes bien-aimés, dans Apocalypse 19, verset 15, et dans Apocalypse 19, verset 21, épée ça, que y a parlé de lui là, épée aiguë ça. Épée ça
qui sortit dans la bouche de Dieu, et bien pour frapper et pour exterminer et nous. Mais, ça pour qu'on est, la tourne là pour combattre. Pour combattre, mes bien-aimés. D'abord, moun kap essayé corrompre, moun kap tenté, moun kap fait une manœuvre pour corrompre l'église, mon Dieu, en dan. Moun qui en dan l'église là, eh bien, kap fait tentative pour corrompre l'église là, pour finir avec ti virus, pour entrer avec ti mauvais pratiques, pour entrer avec ti avec toute qualité des zones, et quand vient bruit que bon Dieu parlait, eh bien, la tourne pour combattre premièrement moun sa yo. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Donc, elle est présentée là à l'église, ça, l'église de Pergame, comme étant celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et qui ça me dit épée aiguë à y est? Instrument de justice et de jugement. Très bien. Instrument de justice et de jugement. Donc, l'église de Pergame, c'était une église. Si l'église Éphèse, c'était une église qui était sans amour, pas vrai? L'église de Smyrne, c'était une église, persécutée. Eh bien, l'église de Pergame, c'est une église tolérante. Écris-le. L'église de Pergame, l'église tolérante. Son type de l'église, c'est côté où tu pratiqué, où tu prôné la tolérance. L'église de Pergame, c'est où l'église tolérante. Nous, amen. Amen. Apocalypse 2, verset 13, qui ça le dit? Qui est-ce qui voulait lire pour moi? Apocalypse 2, verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Amen. Amen. Ma bien-aimée, là nous entrons dans un enseignement qui est très très important dans l'être là. Nous entrons dans un partie dans l'être là qui est extrêmement important. Qui ça le dit? On nous garde. Moi connais côté rete a, c'est là Satan chita. Ou pas la game, ou pas perdu confiance ou gen nan moi. Même là yo te fait touyer Antipas qui mouri peut-être moins là nan mitan nous. Dans la ville côté Satan retea. En nous rete là. Qui sont remarqués dans verset ça? Hello? Hello? Bien, bien. Qui ça vous remarquez dans verset ça? Qui ça verset ça dit? L'île, qui se rejoint là-dedans? Là? Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Quand on était à ce trône de Satan, c'est là Satan était. Ok. Là, Satan ou pas renier nom, ou pas renier foi,
et foi dans moi-même et dans les étapes touillées. Les étapes touillées, c'est parce que c'était moi fidèle, moi. Très bien, on allait. La caille où j'ai été touillée. Ok, bah oui. On nous garde qui vérité que le bayou là. Pas oublié, moi dis nous. L'église de Pergam, c'était qui l'église était? L'église tolérante. L'église tolérante. L'église tolérante. Gardez qui ça le dit là. Gardez qui ça le dit. Gardez qui vérité le bayou. Il dit, première vérité. Je connais qu'autorité, c'est la Satan Chita. On était là, mes bien-aimés. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Maintenant, là, on a un enseignement très important là, dans l'être ça. Pas oublier, mes bien-aimés. Je dis que l'église de Pergame, c'était un grand centre de culte pas païen. C'est ce nous-là. Côté où tu as adoré un bon faux Dieu. Donc, Pergame, l'Itévin, il y a un siège. Il devine au siège de l'opposition satanique. Et il devine au centre, au centre de relieu de fausses doctrines païennes. Est-ce que nous avons, nous mettons écrit ça? Pergame était le siège de l'opposition satanique et la base des fausses doctrines païennes. Pergame était le siège de l'opposition satanique et la base des fausses doctrines païennes. C'était le siège après satanique. Hein? Et la base des fausses doctrines païennes. C'est ça vraiment, mes bien-aimés, ça vraiment important pour nous saisir. Il est très, très, très impressionnant et il est très inquiétant lorsqu'on a une vérité comme ça. Que le Seigneur Jésus dit on l'église, aux paroles comme ça. Nous allons quoi même? Il est pas inquiétant? Amen. Ou c'est l'église, bien-aimé, pour Seigneur Jésus qui une déclaration comme ça. Il est très inquiétant. Il est très inquiétant. Donc, nous disons que l'église de Pergame, c'est qui ça? C'est le siège de l'opposition satanique. Et c'est la base des fausses doctrines païennes. Fausses doctrines païennes. Et c'est là où je te gagne, mes bien-aimés, la donne, dans l'acropole, dans l'entrée, et Pergame, où te gagne, yon, pas bien d'où, Pergame, n'en voulait dire citadelle. Yon te érigé un gros hôtel en forme de trône. Et hôtel ça, mes bien-aimés, il était dédié à Zeus. Zeus, un faux dieu. C'est visible. Côté tout, en te fond, ou au kawé, parce que son hôtel qui était mesuré près de 12 mètres de haut. Base li seulement, c'était 37 mètres. Sur 37, 137 mètres, sur 34. Et il était venu reconstruire au musée Pergamentum de Berlin. Nous prenons que tu fais d'après une note de Alfred Quinn, je te dis ça. Donc, de plus, mes bien-aimés, que l'autre Dieu encore, Esculape,
est-ce qu'on l'a placé pour le Dieu de la médecine? Est-ce qu'on l'a, et on faut Dieu encore, le Dieu de la médecine? Eh bien, c'est lui-même, c'est faux Dieu ça qui était, et un pile fois été associé à Pergame. Donc, son attribut, le serpent, et c'est ça que fait mes bien-aimés. Ou pas, ouais, initial, la médecine, qui sont la donne? Dans l'initial médecine, qui sont la donne? Un serpent. Très bien. Un serpent. Très bien. C'est Esculap. Le dieu de la médecine. Esculap. Le serpent, mes bien-aimés. C'est Esculap. C'est son faux dieu. Ouais, qui côté est là? Donc, son. Ouais. Son symbole qui est associé aujourd'hui à domaine médical là, parce que ainsi médecine, c'est, il sait, serpent. Donc, c'est Esculap. Donc, c'est il sortit à partir de là, parce que la célèbre faculté qui était rattachée à temps ça, eh bien, il était mêlé. Il était mêlé médecine et superstition. Il était mêlé médecine et superstition. Et ça fait, il était capable et prescrit à adorateur ou bien à monde qui ou bien à n'importe qui qui malade dans l'assemblée, eh bien pour yo vini pour quitter serpent ça passer sur yo. Ou serpent non venimeux, eh bien, pour quitter serpent à passer sur yo, ramper sur yo pendant que yo t'a dormi. Pendant que t'a dormi, afin que les capables transmettre yo, yo pouvoir guérisseur. Et c'est ça que fait l'autre jour, m'a regardé, yo voyé pour moi une image, eh bien, mon pasteur sud-africain, eh bien, monsieur venu avec serpent, eh bien, monsieur a. Par contre, c'est notre image ça, vidéo ça. La circuler sur les réseaux sociaux et vidéo pasteur sud-africain ça. Je viens avec un serpent et bien pour faire miracle. Et bien c'est là monsieur sorti avec. Donc ça sont pratiques superstitieuses que liées. Sont pratiques qui pas que le Seigneur Jésus dénoncé. N'importe monde qui vient avec et bien va pratiquer yon bagay ki wap adore ou fè apel a Esculap ki se le dieu de la médecine ki gen atribu se serpent et bien se dieu sa korele nan asemble sa. Se pa, e pa, e pa bon dieu vivant, e pa bon dieu réel la ki wap rele pou vin fè mirak, wap fè mirak avèk Esculap. Wap fè mirak avèk Esculap. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Amen. Donc, maintenant, c'est là qu'on y a M. Vigny avec ses pensées. Ils ont ses pensées non venimeux. Eh bien, ils passent sous Mounio. Et pour Mounio, nous avons tombé. Donc, ses pensées transmettent Mounio le pouvoir guérisseur. Ça, c'est monsieur, comme si c'est le serpent qui guérit Mounio. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Amen. Ça pour nous connaître, pour le garder. Donc nous disons que là, l'église de Pergame, donc le Seigneur Jésus vient dire, côté nous y est. Attendez bien, ça dit dans la lettre là. Il vient dire, reconnais côté où tu es. C'est là Satan Chita. Mwen konen kotorite a se la Satan Chita. Sa vle di klèrman, mè bien aimé. Kotorite a, notre ennemi lan, e ben li komande, e la prenye la. Kote nou ye, nap adore ya, e ben espasa, se la eni an chita, se la ke lap danse kalinda, se la boue kobli. Si nou
nous apprenions que si je veux dire autant dans l'église, mes bien-aimés, autant de les paroles comme ça qui t'a dit que couteau ou pas adoré à la c'est la Satan chita, comme on t'a senti aujourd'hui. Qui sont à penser et qui sont absents aujourd'hui? À bout de yon côté, ou bien 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est là ou à pas doré, 10 ans, 11 ans, c'est là, 12 ans, ou à pas doré là, chaque jour ou là, ou à grandi, et puis ou t'a dit que, et de côté ou yé à là, c'est là, ça t'en chita. Moi-même, moi songe, moi tap fait, moi tap milité, moi te. Après travail avec un groupe et puis n'a travail comme ça deux trois activités ensemble et puis mais le Seigneur te guette en dit moins côté ça pas fini yes et jusqu'à ce que il va le révéler clairement et puis il va le venir pour le dire clairement mes bien-aimés que côté qu'on a là moins pas là place ou pas là. Je me suis dit, je m'ai pris comme parce que je me suis dit, je pas clair. Et je m'ai fait tirer réticence. Je m'ai fait tirer réticence, bien que je suis clair, oui. Mais je m'ai fait tirer réticence, je connais. Je fais travail, bon Dieu. Ou voulez aider. Parce que vous-même, vous clair avec tout, vous voulez aider. Parce que vous avez des gens qui ont besoin et vous voulez aider. Mais pendant que vous voulez aider, ce n'est pas au même cap aider, c'est le Seigneur qui a servi avec pour aider. Est-ce que nous clés avec nous? Et c'est ça que le Seigneur peut venir dire, eh bien, il peut venir dire clairement, quand on y est, quand on peut aller là, moi pas là. Quand on peut aller là, moi pas là. Et puis, automatiquement, je viens dire ça, et puis, je prie, parce que maintenant, je parle. Maintenant, je ne suis pas là. Je ne vais pas rien pour me faire encore. Yes, nous avons gagné. Même tu as fait tirer sans moi. Mais c'est le même genre. Chrétien Pergamio, eh bien, yo, malgré que y a patogé dans l'idolâtrie, malgré que y a patogé dans le péché, malgré que y a patogé dans le bassin ça avec Satan, eh bien, tendez bien. Le Seigneur dit yo, malgré tout ça, yo gen la foi. Est-ce que pas ouais? Est-ce que nous est ça qui passe là? Malgré yo nan erreur, malgré yo nan yo dans ce calenda à Satan, oui. Mais yo était croire. Tandis ça le Seigneur dit yo, ou pas la game, ou pas perdre confiance ou gen nan moi. Est-ce que nous avons? Yes. Amen. Vous savez, nous pas renier. Donc, c'est, pendant que la fait culte, ça, mes bien-aimés, il a fait des cultes qui dédient à des divinités. Hein? Il a fait des cultes qui dédient à des divinités, à des faux dieux. Il a fait des cultes qui dédient à un empereur. Il a fait des cultes qui dédiés à Dionysos, Dionysos qui c'est Toroa, Dieu qui déforme Toroa, tout ça c'est idolâtrie, et malgré qu'il a fait tout ça, mes bien-aimés, il a accompagné tout le bagage, tout le série de shit, oui, mes bien-aimés. Est-ce que nous avons, moi? Non, mais. Il a orgie, il a fait tout, oui. Donc c'est des bagages sales qu'il a fait dans les yeux, mon Dieu. Yo pratique, yo tolérer, yo bonne mauvaise pratique. Et puis en dépit de tout ça, yo pas renié foi yo. Le Seigneur Jésus dit, eh bien, ou pas la game, ou pas perdu confiance ou rien à moins. Soulignez ça. Tu n'as pas renié ma foi. Mais... Est-ce que nous songez? Dans la lettre à l'église de Smyrne, le Seigneur Jésus t'a exhorté pour t'hériter qui ça? Pour t'hériter fille? Fidèle. Fidèle jusqu'à la mort, pas vrai? Mm-hmm. Mais, pour qui ça te dit pour t'hériter fidèle jusqu'à la mort? Face à qui pression? Pas oublier,
face aux pressions romaines. Pour être capable, qui ça? Pour être capable de renier. Pour être capable de renier, pour être capable d'adorer faux Dieu, pour être capable de faire culte à l'empereur. Donc, à Pergame, qui ça vient arriver, regardez bien, le Seigneur prend acte, il note très bien, que l'église ça, l'église Pergame, non, eh bien, il n'a pas renié. Il n'a pas perdu confiance dans mon Dieu. Mais, malgré tout ça, Christ a des griefs contre l'église ça. Malgré que le fin dit, il n'a pas perdu la foi. Malgré que le fin dit, il n'a pas la gueule. Malgré que le fin dit, il n'a pas perdu confiance dans lui. Il y a des reproches pour lui. Il y a des griefs contre lui-même. Hein? Uh-huh. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Non, là, parfait. Non, là, très bien. Les pas lagués, yo. Yo dit, malgré nous fait toute bêtise, ça, yo, malgré nous dans tout bagage, ça, nous pas perdu, nous pas lagués, nous pas perdu confiance dans moi. Mais, ça va le dire pour autant que le bagage grief contre vous-même. Oui. Ça veut dire que nous avons une confusion dans ça. Comment on allait. Bon Dieu, je connais bon Dieu. Oui. Si m'a servi bon Dieu, je connais bon Dieu à bon. Pour qui ça m'a la foi dans bon Dieu, m'oblige à servir d'idole tout. Pour qui ça ou gain la foi et puis ou servir d'idole. La foi, quand on sait où tu demeures, je sais que où le trône de Satan, tu retiens mon nom. Oui. Pour qui ça, si. Je t'ai servi tout, je t'ai fait tout bagage ça, yo. Je ne pas traîner bon Dieu. Je veux que la foi. Si je la foi, pour que ça m'oblige à faire un paquet de bagaille. Mais c'est la foi même qui fait que y a fait tout bagaille ça, yo. Mais justement, je fais comprendre. Je fais comprendre tout ça y a fait là. C'est même Dieu qui a servi. Yes, exactement. Tout ça, yo. Tout ça. Tout ça y a fait là. Il faut comprendre que c'est même travail, là, c'est même adoration, c'est même Dieu à adorer. C'est même bagaille, c'est dans ça qu'il prend. Mais que, yo, puisque c'est il mené, yo, que, il faut comprendre que c'est toujours même travail qu'il a fait. Et c'est ça que fait le Seigneur vient dire ça. Malgré tout bagaille ça, yo, malgré que Satan a prégné en mettre. Et malgré que les habités, les chita dans le temps nous, mais qui s'accrivait ou pas la game. Ce qui veut dire que le dit ou pas la game, nous pral oué sa pi devant, donc ou pral oué qui ça veut dire. Nous pral vini, ou pral oué ça. Lorsque lui dit ça, nous tout. Ça fait me comprendre, ça veut dire que nous pas gagné le choix à faire que nous adorons l'autre faux Dieu. Nous pral ouais ça. Nous pral garder qui s'est passé. Nous pral vinn sou li. Parce que nous li di li là, li di nous pas la game, mais nous pral garder ça veut dire ou pas la game non. Qui ça qui côté le Seigneur voulait aller avec lui. Nous pral garder. Parce que malgré que il a fait tout ça, malgré que yo il a pas que yo, le Seigneur connaît les ouais que yo, na omniscience il connaît toute bagaille. Et c'est ça que fait ou pral ouais, il dit yo ça. Donc nous pral garder pour nous. Mais avant de nous garder en nous avancer pour nous. Nous allons garder pour nous. Mais avant, en nous garder qualité ouais qu'a l'église Pergame. Est-ce que l'église Pergame a une qualité? Oui. Oui, une qualité. Est-ce que tu as une qualité? Oui. Identifier qualité au moins. Identifier qualité au moins.
Parce que malgré que vous êtes dans les rues, vous n'avez pas de mon Dieu. C'est des qualités qui sont dans vous-même. Vous êtes toujours bien. Très bien. Très bien. Vous êtes toujours bien. Très bien. Très bien. Malgré que vous n'avez pas jeté dans Satan, mais vous êtes toujours connu de mon Dieu. Vous êtes toujours. Exactement. Ça, c'est une qualité, pas vrai? Très bien. Oui. Yo te quoi, yo pas perdu, yo pas lagué, mon Dieu, hein? Pas vrai? Il y a pas de renier, il y a pas de perdre du confesse dans l'île, donc ça c'est qualité, pas vrai? Oui. Oui, et c'est qualité. Malgré c'est ça, nous capable et gardez, parce que ça est extrêmement important. Lorsque il dit, tu n'as pas renié. Tu n'as pas renié. Pas vrai? Lorsque il dit, ou pas la game. Ça, c'est une grosse qualité, pas vrai? Oui. Oui. Ou pas perdre confiance dans moi, ou gagner dans moi. Hein? Parce que, pas oublier, bon, dis-nous. Malgré toute idole, malgré que tu as patogé dans l'idolâtrie, malgré que tu as fait faux culte, bon, dis-nous, bagay. Et, bien plus l'église aujourd'hui, nous fréquentons, nous conscients que, l'église a une mauvaise pratique là-dedans. Pas vrai? Oui. Mais pourquoi n'a pas bon Dieu vous-même? Amen. Oui. Nous va répondre maintenant. Ou adorer dans l'église ça? Oui. Et où est l'église a une mauvaise pratique là-dedans? Où est que des bagages qui ont fait dans l'église ça qui n'est pas biblique? Qui n'a pas un lien à ouais avec la parole de Dieu? Oui. Mais on a l'église ça, pas vrai? Oui. Ou adorer en dans l'église ça. Oui. Et ou même ou toujours croire dans bon Dieu là. Amen. Ou dénoncer ça qu'a fait en dans l'église, mon toujours là dedans. Amen. Ou elle, est-ce ou pas toujours croire dans bon Dieu? Amen. Amen. Ça va imposer croire dans bon Dieu. Ça y est bien aimé. Toute idolâtrie qui te gagne dans l'église pagane, tout faux culte ça y est. Pas besoin de faire un centre religieux de culte païen. Et donc autorité religieuse yo, yo te contestable. Pas oublier ou même comme fidèle, ou suivre autorité religieuse, pas vrai? Amen. Autorité a venir dans l'église à les font tintin. Et puis tout le monde suivre lui, malgré qu'on ouais ça l'a fait à pas bon. Pas bon. On va poser cette question, mais ça le fait à la, est-ce que le biblique? Oui. Mais tout le monde suivre lui. Ça veut dire que l'autorité nous contester. Les autorités religieuses contestables dans ton pergamne, malgré toute influence, mauvaise influence que tu as gagné, malgré tout le bagage ça y est, eh bien, je te connais. Je te crois. Je te fidèle dans Jésus-Christ. Je connais que lui n'a pas gagné l'autre. Je connais que tout ça qui a fait l'autorité qui mène là. Mais lui-même, que chaque grain fidèle en dedans, l'église Pergamon, lui conscient, lui fidèle à Jésus-Christ. Ça, c'est un gros bagage, mes bien-aimés. Et c'est ça que fait Jésus-Christ vient là, il dit yo, malgré toute bêtise ça yo, tout comme nous même je dis ya, en pile l'église, il y a parlé avec nous là et n'a ouais ça puis devant. N'a ouais ça puis devant dans toute l'église dans trois cas assemblée nous là yo, c'est une bonne assemblée, une bonne assemblée Pergame qui là yo, c'est une bonne assemblée tolérante, n'a pas le pour qui ça puis devant. Donc le Seigneur t'a dit même parole ça. Oh yes. Nous pas perdu confiance en moi. Nous gagne confiance en moi. Yeah. Nous gagne confiance en moi. Mais ça pas empêché que ça moi n'a fait là dans l'église, m'pa reconnaître nous. Moi n'a venu nous une équipe pratique là, gon bonne bagaille n'a fait là, nous pral wè nous toler un bon péché en dans l'église là, m'pa reconnaître nous. Tout vous me c'est d'eau en dans l'église là, tout vous me c'est d'eau, tout le monde fait ça yovle, tout le monde balance ça yovle, tout le monde bougie ça yovle, et tout le monde prend l'église là pour sa rende, hein? Mais nous quoi? Nous quoi, mais nous prend l'église là pour sa rende? Oui. Plus encore, qui ça dit yo? Il dit yo,
Et vous, d'Antipas, d'Antipas, c'est un martyr, c'est le pasteur de l'église de Pergame. La période de persécution, mes bien-aimés, tendez bien ça à dire, ils ont été attachés au nom de Jésus-Christ. Et ils ont été refusés et adorés d'une manière païenne. Par exemple, l'empereur lui-même, chaque Antipas était tué, boulé le vif. Donc, ça veut dire que nous sommes capables de dire l'église de Pergame a une qualité. Mais à côté de qualité, il y a une gagné. Hein? Le Seigneur Jésus t'a identifié avec des faux qui étaient la caillou. Il était gagné reproche. Ah, il était identifié avec des faux que vous gagnez. Ouais, et ça que fait l'idiot là, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Vous avez dit ça, l'idiot? L'idiot, même le, il était fait touiller Antipas, qui mourit, peut-être moins, là, dans mitan nous, dans la ville côté Satan était. Ouais? Antipas, mon témoin fidèle, il mourit pour ça. Donc, qui ça qui arrive là? Tradition en voulait qui ça? Tradition en voulait que Antipas, qui m'a doté pasteur l'église là, il était boulé le vif. Tendez bien, mes bien-aimés. Il était boulé, monsieur, en dedans un poro en métal. Boulé le vif. Jacques nous mon témoin fidèle. Donc son martyr. Malgré les fins, les jeunes qualités, ça y est, la caillou, il était fidèle malgré tout bagay ça y est. Mais, gen bagay qui pral attrister le Seigneur. Gen bagay qui pral bouleverser le Seigneur. Gen bagay qui pral déchirer cœur le Seigneur, le lap gade l'église, Pergame nan. Gen bagay qui pral déchirer cœur. Et qui côté bagay ça pral sorti? Qui ça pral déchirer cœur le Seigneur Jésus? Qui ça qui peut attrister, Seigneur, à mes bien-aimés? L'hiver, c'est 14 d'avouement. Nous parlons, oui, qui ça qui déchire que, qui grief que les gagnent contre eux, qui reproche que les gagnent contre eux, qui défaut que les gagnent. En nous gardant. Verset 14, qui ça le dit? J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu l'as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une prière d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils livrent à l'impudicité. À l'impudicité. Yes. Amen. Mais, mes reproches, moi, je pour me faire. Ou bien quelqu'un la caillou, qui suivre le conseil Balaam, te baille, là, il te montre Balak, ça pour le fait, pour faire petit Israël, il tomber dans le péché. Pour le faire, il mange viande bête, il te offre pour touiller par les idoles. Pour le faire, il lague koyo dans l'immoralité. Amen. Qui ça qui a attristé le Seigneur là, mes bien-aimés? Qui veut pas chiffrer là? Parce que ce peuple là, il a mangé le viande d'idole. Il vient de dire, yes. Ce peuple là, il a mangé lui. Et c'est un peu fâché. Ok. Très bien. Très bien. Donc, ça nous est là. Qui ça nous est là? Nous est que, il y a deux bagages qui attirent l'attention nous là. Pas vrai? Oui. Texte a parlé là, dans un premier temps de Balaam, pas vrai? La doctrine de Balaam, soulignez-le. Doctrine de Balaam.
et ou pral souligner viande sacrifiée aux idoles. Yes. Deux ça au fait pour deux paroles ça au fait pour attirer attention. Ouais. Donc qui ça qui attristé, qui reproche que le Seigneur vienne faire l'église de Pergame. Qui ça qui attristé que Seigneur. Pas oublier que il y a pas de doctrine de Balaam. Pour nous connaître, nous obligés à aller dans le nombre 22 à 25, qui pral fait nous connaître que Balaam, ça m'est bien aimé, doctrine ça, Balaam c'était un prophète de l'Orient, et c'est un contemporain de Moïse, et mon génération, monsieur. Mais qui ça lui-même était pratiqué? C'était si c'est Jodia ou t'appelais le monsieur Divino. Ouais, si c'est jeudi à Balaam de là, il t'a appelé Balaam divino. Il t'a bal non ougan. Donc c'était un homme qui te qu'on a pratiqué enchantement, c'était un homme qui était dans divination, c'était un homme qui était appelé les mauvais esprits. Qui ça t'est passé? Prophète ça, Balaam. Divino ça. Devin ça. Eh bien, qui s'est passé, mes bien-aimés? Wabalak, payez monsieur, invitez monsieur, et payez monsieur, Balak, Wamouab. Eh bien, pour monsieur, fait qui ça? Pour monsieur, maudit. Pour monsieur, jeter de mauvais sorts sous les enfants d'Israël. Les Israélites qui étaient en pile et qui étaient proches du territoire, monsieur. Ouais, ça passait parce que Balak, monsieur, était gagné peur bleue, monsieur, était peur en pile Israélite. Et qui ça t'est arrivé, mes bien-aimés? Puisque mon Dieu n'a jamais dormi, puisque j'ai mon Dieu toujours sous peuple, il y a. Puisque bon Dieu est toujours à veiller, eh bien, bon Dieu pas quitter Balaam, river fait travail ça. Est-ce que nous là? Donc, à la suite de ça, Balaam va conseiller à Balak, mes bien-aimés, à Wabalak, et bien pour voyer bon côté israélite, t'as des millions. Au lieu que jeter des sorts sur eux, puisque bon Dieu pas permettre de réaliser quoi, et bien il dit monsieur, parce que on est malheureux, mais il n'est pas jamais accepté que le perdant. Il n'est pas jamais accepté que le perdant. Il baille Wabalak en conseil. Il dit Wabalak, mais ce n'est pas le fait. Voyez mesdames sous vos pieds. Voyez mesdames Moabitio. Voyez mesdames Madianitio sous yo. Afin que vous capable d'entraîner Israélite, peuple là, pour sacrifier Bible Dieu et pour livrer à des débauches. Donc pour entrer en violation à premier dans 10 commandements mon Dieu te baille là. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Donc faut être très vigilant. Faut nous soumettre, nous les servir, mon Dieu. Parce que couvrir tout le gens. Et qui ça peut arriver? Eh bien, suite la dit nous tout bagaille. Qui ça le dit nous? Eh bien, mais ça le dit. Gardez bien. Il dit, vous tombez? Eh bien, qui ça peut passer? Il dit, mon, mais reproche, mon Dieu, pour me faire, ou que quelqu'un la caille ou qu'a su le conseil Balaam, tout bail, là, il te montre Balak ça pour faire petit Israël, yo, tomber dans le péché, pour te faire yo manger viande bête, yo te offrir pour te bail idole, pour te faire yo laguer koyo dans immoralité. Donc,
les Grecs et les Romains, mes bien-aimés, qui s'est passé? Ils ont adoré plusieurs bons dieux. Pas m'a dit plusieurs bons dieux, plusieurs dieux. Et ils ont cru dans l'existence plusieurs esprits mauvais. Donc, ils ont cru que l'esprit mauvais, ça y est, ils ont tenté de rentrer dans le monde lorsque ils ont connecté à manger avant que yo manger ça yo. Donc on fou manger en sacrifice à bon Dieu ça yo, manger qu'on ou fin bay l'esprit ça yo, ou fin offrir à l'esprit ça yo, et bien c'est manger pour yo. Donc seul moyen efficace qu'on y a pour retirer pouvoir ça, et bien mes bien-aimés, c'est pas manger. Ça qui fait les pas de boule sur l'hôtel là, il n'y a pas servi pour faire païen. Et reste yo qui ça te qu'on fait. Tout reste manger que vous te qu'on offre à faux Dieu ça yo. Et mais tout reste manger ça yo, yo al van yo dans marché. Tout bête ça yo, que vous pas fin manger, yo pas fin consommer yo, et bien, y al van yo dans marché. Il y a le vendre. Donc, ça pour nous comprendre. N'a pas gardé là, parole la clé. Parole la clé. Li arrive encourager yo, li arrive faire pour tête yo dans immoralité dans l'idolâtrie. Donc, chaque pas arrivé accompli. À cause de prophétie, et de réaliser avec qui monde, avec femme, avec moi habitué, qui vient séduire le peuple d'Israël là, par le sexe, l'immoralité, l'idolâtrie. Donc, qui ça vient arriver? Israélites viennent tomber dans la relation avec mesdames Zayo. Et ça, nous dit nous, la Bible dit nous dans Nombre 25, le verset 3. Eh bien, il vient tomber dans la relation avec Mme Tayo, avec Baal Péor, il dit nous ça. Donc, la fin de Balaam, puisque Balaam est arrivé à faire ça, eh bien, qui s'accrive? Il a fait triste. Il a fait triste. Balaam va tomber sous l'épée d'Israël. Non, Valil, non, non, 31. Il va tomber. Donc, mes bien-aimés, qui ça pour nous connaître? Fin Balaam vient misérable. Fin Balaam son fin misérable. Lui d'abord, Balak renvoyé. Et il va périr. Lamentablement, il prend le péri dans la bataille. Il a caché, mais épée à Abouel. Parce que épée, ça, mes bien-aimés, ce n'est pas n'importe quelle épée. Monsieur caché, épée à Tchéki Avel. Est-ce que nous, là, mes bien-aimés, ou pas qu'à cacher devant mon Dieu et personne ne va moquer aux deux? De bon Dieu. Donc ça veut dire, pas oublier que moi te dis, non, épée à ce qui symbole que lié. C'est quel instrument épée à y? C'est quel instrument? L'épée aiguë, hein, à deux tranchants. C'est qui ça lié? C'est qui instrument que lié? Justice et le jugement. Très bien. Instrument de jugement, instrument de justice. Et c'est épais ça, donc le jugement finit par atteindre qui monde. Le jugement finit par atteindre Balaam. C'est pas moi qui t'ai moqué, pas pour Dieu. C'est pas mauvais bagaille que tu as bien intention de faire. Pas vrai? On ne se moque pas de Dieu. Donc le jugement de Dieu, il finit par atteindre Balaam. Donc, Balaam a des temps pour la mélanger, prophétie qui est vraie, et juste aux éléments païens, côté notre doulala. C'est ça, nous, les mes bien-aimés, syncrétisme. Il y aurait ça, l'opre prophétie vraie,
l'on prend des vérités bibliques et puis on associe à des éléments païens. Je nous ai gagné des pratiques, je nous ai certaines pratiques dans l'église aujourd'hui là. C'est des bagailles ou des éléments païens. Il y a des activités, il y a des bagailles païens, et bien que vous ayez entré dans l'église là, vous associez à des prophéties, vous associez à des vérités bibliques, et puis qu'on y a, vous venez mélanger, et puis vous venez porter le baou comme sacré. Vous relayez ça syncrétisme. Syncrétisme religieux. C'est ça qui est arrivé dans l'église de Pergame. Et c'est ça qui fait Lévin porter nom, l'église tolérante. Et je dis, ya, eh bien, n'a vive ça là, mes bien-aimés. Je dis, ya, nous avons l'église Pergame qui est dans la rue à là. En pile, en pile. Nous avons en pile l'église Pergame qui est dans la rue à là. Qui mélangeait vérité, ya, qui mélangeait parole, bon Dieu, avec des éléments païens et qui a pratiqué, qui plongeait dans le syncrétisme ça. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, ça, c'est ça l'église Pergame qui vive. Et c'est ça que le Seigneur vient nous reprocher. Il vient nous reprocher, bagaille ça. Il vient nous reprocher, syncrétisme. Il vient nous reprocher, mélange ça que tu as fait. Prends affaire pâle, prends vérité liée, prends prophétie pâle, prophétie qui vraie. Il vient fourrer élément païen ça, il la donne. Et puis, qu'on y a, il vient porter le peuple. Et ça fait, le nous garder, on a pratiqué l'occultisme, on dit oui, non, donc nous venons entrer, on venons associer à bagaille, bon Dieu. Donc, nom 23 et 24, et nom 24, verset 1, il dit, il est à la recherche de formules occultes. Et ça, la Bible dit oui. Mais bien aimé, c'est qu'on est, nous pas qu'on est gravité péché, ça. Lorsque yon moun, qui dit lui c'est chrétien et puis la chita devant un gang. Tu connais mon ça pas connaît gravité péché ça. Lorsque vous tendez un chrétien qui porte non chrétien, bon comme un monde qui porte non chrétien pas jamais mal caillon un gang. Ou bien protestant cal caillon un gang. Protestant pas caillon boko. Protestant pas badi, protestant pas faire mettre bagaille pour yo en bas chez l'église yo, mais pas un chrétien. Protestant fait pas un chrétien. Chrétien papa chita devant papa pour la brûler un grand papa. Pour la chita dans fond jambe un grand pour la dire un grand bat quatre pour moi. Gardez pour moi. Checker pour moi petit mais malade. Pour l'équipe pour moi. L'église me pas gain monde, moi besoin l'église me marcher, une dame ça pour me mettre en bas chair. Protestant qu'a fait, on pas besoin chrétien faire ça. Donc mes bien-aimés, suite histoire Israël avec Moab là, significative, on peut regarder qui s'arrive. Grâce, mes bien-aimés. Vous avez pas le droit, les Israélites amènent une Madianite côté l'idil, et les Madianites moins. Donc, sous yeux Moïse, ça, c'était une provocation directe que le théâtre pour le peuple bon Dieu. Et ça, qui n'a pas jeune fini pour réagir. Qui n'a pas réagir? Il va saisir une lance, il va frapper à mort deux pécheurs pour dans ça. Il va partir de la terre, il va commencer pour se lever, il va toucher 24 000 monde. Donc, par conséquent, ça pour nous connaître aujourd'hui, le Seigneur, grâce à son épée tranchante, Pabli, qui j'en viens présenter à l'église ça, m'a dit, Jean que le Seigneur Jésus présente à l'église là, c'est en fonction du type de message que lui délivré à l'église ça. Est-ce que nous là? Mm-hmm. Comment je te présente à l'église de Pergame? Mon qui a épée qui file des bois. Et comment épée tranche et. Très bien. Yes, mon qui a épée qui filait des bois. Donc, le Seigneur, grâce à épée tranchante ça, grâce à épée qui filait des bois ça, il est capable de prononcer jugement. Il est capable de faire le nécessaire.
pour que qu'on y ait jugement divin, hein, eh bien, il est capable pas tomber sur, il est capable faire pour pas tomber sur l'église Pergamon. Mais il doit prendre au sérieux la parole de Dieu et il doit écarter tout vieux élément ça yo qui entraîne adoration yo et qui entraîne enseignement yo. Est-ce que nous là? Amen. Donc c'est ça pour comprendre. Donc tout ça qui est capable de m'aimer, causer, tout ça qui est capable de paraître comme un pied d'achoppement, qui a empêché de servir mon Dieu, tout ça qui est capable de trébucher, qui est capable de chuter dans route là, quel que soit nom, quel que soit forme, quel que soit côté sorti, quel que soit saleté, il mettait un monde, il était un objet, quel que soit saleté, mes bien-aimés, eh bien, ou capable aller. Tout ce qui peut trébucher ou chuter quelqu'un, n'importe quelle cause de ruine matérielle ou spirituelle, c'est une pierre d'achoppement. Et ça fait, là, il parle de débauche, immoralité de débauche ou dans qui catégorie de péché courrier ou dans péché sexuel. Ou dans péché sexuel. Donc, là, mes bien-aimés, nous voyons que ça nous capable comprendre, c'est que dans ce qui concerne nous aujourd'hui à nous-mêmes, est-ce que nous sentons que nous à l'abri de tout mélange ça? Là, on a parlé de syncrétisme religieux, de mélange vérité biblique, de mélange prophétie vraie avec éléments païens. Est-ce que nous sentons que nous-mêmes aujourd'hui à nous à l'abri de bagages ça? Non. Nous à l'abri de ça? Non. Nous pas à l'abri de tout mélange ça. Parce que non. Le nous ta font, si nous ta font ti gratter. Et si nous ta font ti fourer genou, garder pour moi ça qui a passé autour de nous-mêmes. Nous pas ouais même gens le Seigneur Jésus parler l'église Pergamon là, li parler de Pergamon là, nous pas senti que nous gagnions sous yeux nous là en pile bagaille que nous identifions dans l'église Pergamon là, que nous vivons là aujourd'hui dans l'église là. Yes. Amen. Yes. Ça, les des éléments nous t'es capable de dire comme ça, des éléments de foi indésirables. Yes. Ah oui? Mm-hmm. Yes. On regarde mes bien-aimés, nous allons regarder ensemble. Et je dis à qui ça nous est. En nous clair, je dis à l'axisme, paresse, c'est lui-même qui a dansé Kalinda dans l'église de Dieu. Il n'y a pas aidé le monde pour grandir, pour avancer. On est venu chita son banc et puis après ça lever virer d'eau ou aller. Amen. Nous n'en obé. C'est ça nous relève, le laxisme est grand. Je dis à ou à vivre une paresse spirituelle. Je dis à nous, dans une période, nous avons des morts dans l'église là. Sont ensemble de morts spirituels. Et en pile l'église, je dis à cimetière, parce que c'est des morts spirituels qui sont là-dedans. Ce sont des équipes de l'église qui mourent. Amen. Tellement mon pas reçu, tellement mon pas travaillé dans l'église ça. Sorti depuis sous leader arrivé sous tout dernier fidèle là. Son l'église mort. Laxisme en grand. Ça c'est premier bagaille. Mon yo pas reçu, yo chita yo pas fait rien, mon pas travail, pas gen mon qui a bougé, pas gen mon qui a fait rien, tout monde contenté yo vinn chita et puis aller, yo chita yo vini et puis tout monde viré dehors, pas gen mon qui a fait rien pour le Seigneur, yo tourné après dimanche. Et chaque dimanche yo vini comme ça, vinn chita là ta compile et puis y a regardé tout monde et puis yo levé yo vi, pas rien pour le Seigneur. Mais comment l'église va marcher? Pas fait rien. Chaque dimanche vinn chita garder monde et puis après ça fini viré quoi. C'est net et demi à bail yo bail net et demi. Deux temps yo chita et puis yo viré dehors. Rien encore. Paresse, yo pas gen rien à faire. Pas plus, je pas fait rien encore. Le laxisme est grand, paresse la trop,
premier bagaille. Ouais. Bagaille que vous identifiez aujourd'hui encore dans l'église là, mal banalisé. Mal, je dis à qui sont ouais. Mal, moun pas fait, moun pas prend rien pour rien. Vous comprenez? Moun fait moun mal, j'en yon vle. Mal la banalisant dans l'église là. Ou dit moun n'est pas sauvé. Vous comprenez? Ou pas la moun n'est pas qui j'en. Ou blessé moun ak lang ou ak bouchou n'est pas j'en vle. Et ça pas dit personne rien. Et je dis à ou en dans l'église là, il y a des gens dans l'église qui ont fait des bagailles vraiment qui sont terribles. Pour rejoindre des serviteurs qui ont battu madame yo red cherche. Qui ont voué madame yo l'hôpital correctement, ça ne va pas parler. Yo connaît que serviteur a fait des bagailles dans l'église là. Responsable a connaît le fermé bouche, il ferme les yeux sur lui, il quitte le. Il est toujours responsable. Yo connaît pasteur à battre madame ni. Yo connaît ça, l'église a fermé gel sous lui. Yo pas dit pasteur à rien. Le style là, la mène l'église là. Madame n'a pris un coup, li vin a gel tout noir. Li peut faire mentir, c'est tombé le frapper non qu'importe. Yo mandel qui s'est passé, li dit c'est tombé le frapper non qu'importe, la protéger Maria. Mal là. Il banalise. Il peut faire mentir. Il dit c'est tombé, il tombé. J'ai la frappé, non, qu'importe. Immoralité, liberté sexuelle, je dis. Il y a dans ce calenda dans l'église là. Femme avec femme, garçon avec garçon. Ça pas dit mon rien. Même là, on est mon nom, il a la pratique, il y a 2, 3, 4 ménages dans l'église là. Ça pas dit personne rien. Depuis le pote bon dîme. La contribuer, li bay gros offrande pour mettre boule gras, liberté sexuelle, vagabondage à fait. Yo connaît pour y accoucher ti moun yo dans l'église. Yo connaît y accoucher fidèle yo. Yo pas dit cri, yo fait men bouche, yo fait men jé yo. Tout moun vague. En dans l'église, yo connaît deux autres pour y faire. Personne pas dit rien. Parce que c'est bons amis, pasteur, c'est bons amis, et responsable, c'est bons amis, bishop, c'est bons amis, et apôtre, c'est bons amis, prophète. Mon avis dans le plaçage en dans l'église, là, vous connaissez. C'est l'équipe pigou chef. Y'a que j'étais timoun matin, midi soir, ça va dire personne rien. Vous encouragez bagage à au lieu de freiner. Yo. Donc la vie de l'église là, je dis, hein, eh bien, lui influencé par toute qualité, péché ça, mes bien-aimés. Et moi-même, franchement, ça fait mal les m'a regardé l'église, mon Dieu, je dis. Hein. Ça fait mal. Les m'a regardé tolérance qui gagne aujourd'hui hein, dans l'église, mon Dieu. Hein. Les m'a regardé quantité de l'église, pergame qui gagne de l'eau. Qu'a toléré toute qualité sottise, toute qualité bêtise, toute qualité saleté en dans l'église, mon Dieu. Sous quel prétexte nous pas connaît? Sous quel prétexte nous pas connaît? Mais y a toléré péché ça yo. Et je dis à c'est l'église ça y a gen moun. Parce que tout vous c'est d'eau, parce que c'est la tolérance. Et ça que moun nan dou, ah, faut nous tolérant, oui. Nous pas de trop Dieu avec yo. Parce qu'on est, nous besoin tout le monde, nous pas là pour juger personne. Nous pas juger personne. Et pas jugement n'a fait là. N'a dit sa parole, bon Dieu, dit, nous pas fait jugement personne. Qui nous nouye pour nous juger monde. Mais nous dit sa parole, bon Dieu dit. Et nous pas là pour nous tolérer qui que ce soit. Péché ou était péché. Nous pas là pour nous faire promotion aucune église vegam. Côté. Paresse dans ce calenda, mal banalisé, liberté sexuelle, concubinage, homosexualité dans le figu moun, eh bien, toute qualité bagage ça va faire dans l'église, mon Dieu. Donc, donnez le petit élément qui est plus subtil encore, mes bien-aimés, qui capable, un, qui sortit dans l'influence religion orientale, ou bien ça nous relève le nouvel âge.
côté yo vini avec une philosophie côté yo di yo ou gen nan ou même de grandes potentialités ou gen un bon Dieu nan ou même ou ce Dieu sonde ou a découvrir et ou a mettre en valeur tout ou même ou comprendre faut qu'on pratique tes méditations transcendantales aller au fond de ou même et pour réaliser ce que vous faire mais faut aller au fond de ou même. Est-ce que vous avez compatible avec la Bible, mes bien-aimés? Non. Est-ce que parole ça yo, eh bien, yo aller, yo cadrer avec la parole de Dieu? Non. Non. Et c'est ça que fait apôtre Jacques. Pral dit nous dans Jacques 1er, le verset 17, qu'est-ce qu'il veut lire pour moi? Jacques 1er, verset 17. N'a prêté là, aujourd'hui, avec l'église Pergamna. On va continuer la semaine prochaine. Qui est-ce qui voulait lire pour moi Jacques 1er, verset 17? Nous allons caper là pour nous prendre un instant pour question. Jacques 1er, 17. Amen. Amen. Yes. Toute grâce excellente et tout don parfait mm-hmm. descendent d'en haut du Père des Lumières. Chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Merci Seigneur. Tenez bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Toute plus belle faveur, tout plus bon cadeau nous recevoir, c'est en haut dans le ciel là, il est sorti dans le même bon Dieu. Qui crée toute lumière, bon Dieu pas jamais changé, ni il n'y a pas rien qui t'a qu'à sembler. Il y a un changement dans l'île. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, les apôtres ont dit oui, je découvre, je viens chercher dans vous-même pour joindre tout ce qu'on a besoin après ça pour réaliser. Non. Le mouvement de base en haut qui pousse l'homme à se réaliser. Je dis à moi-même que ce n'est pas biblique, c'est charnel. Pas de aucun mouvement qui a sorti en bas pour monter l'homme, pour arriver en haut. Non, c'est charnel. Par contre, c'est peuple bon Dieu attendez samedi à là. Ouais. Sur qui ça me base pour me dire ça, moi, basé sur Jacques 1er, verset 17. Mm-hmm. Qui est bien dit. Toute plus belle faveur, tout plus bon cadeau, nous recevons, c'est en haut dans le ciel là, il est sorti. Merci Seigneur. Yes. Pas rien qui sorti en bas. Pas rien qui a sorti en bas pour monter. Tout ça qui sorti en bas pour monter, c'est charnel. Il n'est pas spirituel. Mais bon Dieu, voilà. Amen. Tout ça qui sorti en bas Amen. Pour monter les charnels, les pas spirituels. Vous mettez écrit ça en grande manchette dans le bibou, dans le bloc notre ou côté vous l'écrit. Tout ça qui sorti en bas pour monter les pas spirituels, les charnels. Parce que Jacques 1er 17 dit moi, eh bien, tout petit bon cadeau nous recevoir, c'est en haut, dans le ciel là, il est sorti. Non, mais bon ouais. Dieu, attendez bien, mes bien-aimés. Non, mais bon Dieu qui créait toute lumière. Ouais. Merci Seigneur. Donc, mes bien-aimés, ce qui est biblique, eh bien, c'est tout ça, yo. Les bonnes choses, les dons de la grâce, eh bien, qui sortent en haut et qui descendent dans que l'homme. Exactement mouvement inverse là. C'est en haut pour sortir pour rentrer dans vous-même. Et pas en bas pour sortir pour monter. Mais pourtant, de vous qui nous venez de c'est en bas pour sortir pour monter, eh bien, vous capez dans fausse doctrine. Faut que c'est en haut pour sortir pour descendre. C'est en haut sorti, il n'est pas sorti en bas. Pas gagné qui sorti en bas. Mm-hmm. Pas gagné qui sorti en bas. Donc, si nous avons fait un petit récapitulatif de l'intro que nous sommes censés faire là dans le livre, ça, nous allons continuer dans l'être ça la semaine prochaine. Et si nous avons fait un petit récapitulatif, qui soit dit? À partir de tout ça que nous disons là, à partir de tout ça que nous entendons là, qui ça ou même ou t'es capable de dire?
Si nous demandons qui Jean, si nous demandons qui Jean, le Seigneur Jésus, sous qui facette que lui présente à l'église de Pergame, qui soit abdim? Comme il y a été tranchant, comme il y a été à deux tranchants. À deux tranchants. Ok. Mm-hmm. Et si je me demande où, qui fonctionne épée à? Puisque les vignes les présentent comme. Juste un instrument de justice, qui est un juge. Épée à ce jugement, justice. Très bien, très bien. Oubliez, exactement. Et pas oublier qui ça lui dit, nous. Pas oublier, lui dit. Les pénétrer jusqu'à qui bon? Jusqu'à diviser, jusqu'à séparer l'âme avec l'esprit, et jointure et moelle. C'est qui est-ce qui fait ça? Épée. Épée. Et qui ça épée aille? À côté de instrument de jugement, instrument de justice, à qui ça lié? Là on dit épée, c'est qui ça ouais? Dans l'âme spirituelle, qui ça épée aille? Ta parole. Très bien. Très bien, la parole. Donc, c'est lui-même qui arrive à faire qui ça? Lui pénétrer en dedans. C'est lui qui fait opération sans couteau. L'arrivée, lui fait division de l'âme et de l'esprit et des jointures et moelles. C'est pas là que ça. Yes. Donc, lui agit, c'est seule la parole de Dieu, mes bien-aimés, qui agit au plus profond de l'être humain. Cette parole-là qui entre côté X n'est pas qu'à entrer. Mm-hmm. Les hommes n'ont pas aucune médecine qui a pouvoir sur l'homme. Pas aucune médecine qui a pouvoir sur Nam, pas de aucun docteur qui a traité Nam. Le Nam ou malade. La bonne Dieu. Ce qu'on a un docteur qui a une spécialité dans Nam, femme qu'on aime. C'est le seul docteur Jésus qui a une spécialité ça. Amen. Le seul docteur Jésus qui a une spécialité Nam, mes bien-aimés. Merci Seigneur. Le Nam ou malade, ou pas qu'il n'y a aucun autre clinique. Que la clinique, docteur Jésus. Le seul lui-même. Donc c'est ça que fait la parole, lui agit au plus profond de l'être humain. Donc pour séparer le mal du bien, pour séparer le charnel du spirituel. Et ça fait, vous pouvez le comprendre, pour tout l'autre mouvement, toute l'autre philosophie, toute l'autre pensée qui vient, qui dit mouvement c'est en bas sorti pour le monter. Eh bien, au même coup, pour lui, ce mouvement nouvel âge là, c'est ça le vinyle pour te pour. Il y a un paquet de monde qui tombe aujourd'hui à cap pratiquer nouvel âge. C'est mon qui cap chercher dans eux-mêmes. C'est ça qui n'a eux-mêmes, ils ont des potentialités. Oui, des potentialités. Mais c'est pas sous forme que vous voulez expérimenter là, vous voulez servir à elle là. Non. Mouvement qui sortit en bas pour monter là, les charnel. Donc, vous avez besoin de mouvement qui sortit en haut. Non, bon Dieu, qui est spirituel, et c'est lui-même qui parle métaux, bien, qui parle métaux. Donc, l'épée de la parole, les juger tous les sentiments et les pensées du cœur. Donc, ça a un rapport à tout le monde. Donc, il est nécessaire, mes bien-aimés, pour mettre l'ordre dans la vie. Ces paroles-là qui parlent aider à mettre l'ordre dans la vie. Et sous besoin de miracle, miracle marche avec la parole. Il y a des gens qui cherchent des miracles, mais qui parlent les paroles. Et c'est ça qui fait opération, ça est très douloureuse. Cette opération de séparation, cette opération de division que épée la parole là, a fait dans vous, est très douloureuse. Et je ne vais pas le dire parfois, mais toujours douloureuse. C'est ça qui fait parole là pour bénéfice pour vous, pour le Seigneur. Parole là, pas qu'à vous faire content, parole là, pas qu'à faire plaisir, pour faut parole là blesser ou même parce que lui fait mal. Parce que parole là, a une seule fonction de séparer. Il a une fonction de séparer, de trancher, de diviser.
Le couteau a séparé fan ou bagay. Le opération a fait la fan, et mais qui ça le fait mes bien-aimés, il pas capable pour mal, non? Et ça fait une anesthésie. Ou la médecine vient avec anesthésie, yo bo anesthésie pour capable opérer. Le Seigneur Jésus lui-même il pas ba anesthésie. Et ça fait sentir, et ça fait le mal même. Parce que si le bon anesthésie, changement pour opérer, il n'y a pas pour opérer, et ça qui fait l'opération à 5, il fait sans anesthésie, oui. Et ça que Paul n'a pas qu'à faire bien, Paul n'a pas qu'à faire douce pour vous. La parole de Dieu, c'est une épée. Et peut pas capable de faire douce, et peut pas capable de se siroyer pour vous, et peut pas venir jouer avant. La parole va venir pour plaisir. Et ça fait, vous devez faire preuve de docilité. Ou doit faire preuve d'obéissance, ou doit faire preuve de sagesse pour quitter le Seigneur, accomplir bonne œuvre ça dans vous-même. La paix, bon Dieu, à vous. Amen. Et c'est ça que fait, où elle vient adresser, elle vient présenter à l'église de Pergame comme si là, qui gagne l'épée, et bien qui filait deux bois. Deux bois. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, mes bien-aimés, ça pour qu'on ait Jodia, est-ce que l'église de Pergame, est-ce que Satan t'a prégné la donne? Est-ce que Satan t'a habité là? Yes. Oui. Et Chita oui. La Satan? Amen. Yes. Ok, c'est elle a Chita. Ou Vekol. Elle a c'est là qu'elle t'a ouvert Vekol, bah oui. Le nom est oui. Le nom est Pergame. Tu as dit qui ça? Et Pergame Vletil. Tu veux dire citadelle? Pergame Vletil. Bien, citadelle. Citadelle. Eh bien. Donc, n'a capé là pour aujourd'hui, si vous avez une question, donc n'a pas ni avant que nous clôturer. Donc, on va continuer la semaine prochaine, on va continuer avec lettre A, la troisième lettre, et à l'église de Pergame, l'église qui l'autre, l'église tolérante. Très bien. L'église tolérante. Amen. Si vous avez une question, on va prendre. Amen. Ok. Amen. Question, mes serviteurs. Et l'éternel te fâche à cause de peuple qui t'a. C'est visible. Ou te dit, les gens qui ont fait une cérémonie avec Vienne, ça, les gens qui ont arrêté au côté de la marché à Albany. Ou même qui ont chrétien qui par contre Vienne, ça, qui te service aux idoles, qu'à Albany, la marché ou à la stèle. Est-ce que l'éternel a pleuré contre ou bien qui ça représente ou même qu'à la stèle Vienne, ça qui par contre, si Vienne, ça, c'est un sacrifice. Et exactement. Le problème qui vient arriver, on pas connaît si c'est viande qui t'est servi pour ça. On pas connaît si c'est viande qui t'est servi pour ça. OK. Mais maintenant, la Bible dit clairement dans 1 Corinthiens 8 4 6, faut nous pas croire que viande ça yo t'est gagné. Ils ont quelconque influence satanique. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le dit, non? Mais par faiblesse, il y a un pile qui était considéré par faiblesse que viande sa yo, yo te impur. Et ça fait, yo te mange yo quand même. Donc, yo, la Bible, yo péché. Dans 1 Corinthiens 8, 7, il dit ça. Lorsque ou t'es conscient ou fait par faiblesse ou qu'on est que impur ou elle fait au péché. Romains 14, 23, tout d'où ça. Donc, mais, il dit, faut nous pas croire tout, mais d'où ça, que vienne ça y a te gagné ou quelconque influence satanique. C'est ça qui fait Lévin un petit peu délicat pour question. Vienne ça, ou pas qu'on est. Sou pas qu'on est, ok, mais de pour qu'on est, eh bien, l'idou ça campé loin. Parce que idole, les jeunes ça c'était pour y ont fait sacrifice. Donc yo
Yo te konsidere, yo te konsidere yo, takou yo te genye, se pa tout moun ki te konsidere l kon sa. Pou, yo te konsidere kom de, de vyen ki te genye, on sot de puissance, on sot de, d'influence, on kelkonk influence satanik la da yo. Donk, sa ke fe, li vin, apote pou vin pale de, ou pa, nan Corinthiens, c'est ça le dos. Les deux, ou pas capable de manger quand même. Donc, si vous mangez, c'est bon péché parce que ou conscient, par faiblesse, ou te considérez que vous avez pu, et vous allez manger les bons péchés. Amen. Mais si vous ne pas connaître, vous achetez le marché, vous mangez, avec nous, l'éternel, pas pleurer contre vous, parce que vous ne connaissez pas. Maman, ou pas connaît, sou pas connaît. Et ça me dit, oui, sou conscient, ou fèl, ou connaît qui vient dire, ou fèl, c'est ça le dos là, ou péché. Mais sou pas connaît. Et l'homme vient pour l'idole là, ça t'a mangé, mangé à vous. Non, mais c'est pour les lier. L'eau baille loi manger. Il faut manger, sou manger loi lié. OK ou ba loi manger ou reste manger ou manger c'est qui mange ou manger là manger loi et va manger loi manger manger pour lié ou pas jeter manger là reste manger ou ba moun ni et tout moun qui mange manger ça qui mange le manger manger loi manger loi le matin c'est goumé pour yo et moi gagne exact c'est goumé pour manger parce que yo tout besoin manger loi ça pour te qui ça parce que yo pensé que depuis yo manger ça et mais affaire yo pas le régler une protection yo gagne protection vous comprenez or c'est tout ça qui te la donne parce que manger son manger qui t'est consacré à lui-même. C'est consacré à mauvais esprit. Hein. Donc, effectivement, les gagnants ont une influence satanique là-dedans. Donc, on prend, eh bien, les vins, on prend tout là-dedans. Et comme ça. Yeah, là, oui, on a mangé à vous satanique là. Moi, j'ai ma tante qui t'a expliqué, nous, dans la grande famille, nous, ça a été passé. Ils t'a fait un bagage comme ça, ils ont fait une danse, et puis ils ont préparé manger, mettez pour Satan. Na soue tout moun couché ou di ma tout moun tout expliquer ça ma tout moun existe toujours na grand famille nous pou ni ala yo préparer manger meté là mais non kay pay mais manger exposé son table avec un serviette dans couvri tout moun couché a dormi na soue on seul papa koulèv qui sont dans fête avec ala qui descend sous table là l'elle descend sous table là bon Dieu moun tout moun a dormi mais gen yon moun zèl clair. Il va couler la saute en l'air, elle descend sous table, elle découvre la table, tout manger qui sous table, li boit. Quand tout soupe bagaille, li fin boit, chaque li fin boit bagaille, il vomit dans le bol là. Chaque li fin boit bagaille, il vomit dans le bol là. Et puis, moun qui te voit ça, et puis demain matin, moun a tout levé, tout converti, puis tout qui te bagaille comme ça, il va se mettre dans le bagaille comme ça. Depuis l'air, ça veut dire, l'homme est mangé à vous, ça t'a mangé, il voit. Et puis, demain matin, moun a goûté pour manger, vin pour manger sous table. Manger à bête la manger et puis le revomir dans bon là quoi et puis le couvrir j'ai été couvrir là. Très bien. Non, mais c'est manger lié. C'est manger lié, mauvais l'esprit à c'est manger lié, c'est pour lui lié, c'est à lui-même yo offrir, c'est pour lui lié, il vient pour affaire. Donc c'est ça que fait ou pas connait ou même. Eh bien, c'est ou manger, ou goûter pour manger loi et ben ou manger. Ou manger, vous comprenez, ça crie vos livres. Donc c'est ça, c'est pour les liens. Il offrit à lui-même. Donc c'est manger pour loi, manger c'est pour mauvais l'esprit à venir prendre, à faire c'est pour les liens. Amen. Amen. Donc c'est ça, n'a pas campé là pour aujourd'hui, à mes bien-aimés. Amen. N'a pas campé là pour aujourd'hui. Comme on parle, une question me pose. Quand tout le monde est capable de prendre un docteur pour n'y aller, est-ce que vous connaissez côté doctrine fin ça a sorti, capable de prendre un docteur pour n'y aller? Non, quel que soit l'air ou bien pour le moment pour n'y aller. Est-ce que le monde ça. Non, bon, même si vous connaissez. Même si vous avez vu qu'on aime. Donc,
yo pas balle aucune importance parce que il y a étudié médecine, il y a étudié médecine. Bon, il y a OK, yo connaît côté symbole là, même le ta vinn connaît côté symbole là sorti, mais yo pas fait foi à lui-même, donc yo pas prêté dans l'isa parce que c'est ton mariage, médecine et superstition, est-ce que comprendre? Et c'est de la symbole là était le prêté, il tout kembe, mais yo même le ta connaît côté sorti, mais yo même il pas pas changer rien dans étudio. Vous comprenez? Il si yo connaît, yo connaît OK pour yo, mais si yo pas connaît, donc même les ta connaît, yo pas changer rien parce que yo même yo connaît si c'est chrétien yo yé, yo connaît qui est-ce qui pour accompagner yo dans médecine dans y a étudier, qui est-ce qui pour aider yo, qui est-ce qui pour faire aider yo faire médecine. Donc même le yo ta vinn connaît. Donc si yo konn sa yo ye, c'est pour Christ yo ye, eh bien Christ a dirigé yo nan profession médicale là. Amen. Donc c'est ça lié. Merci Seigneur. C'est un plaisir mes bien-aimés pour nous être ensemble. Un grand merci à chacun de nous qui te répond présent dans soirée étude biblique là. Donc n'attend tout le monde demain matin 6h pour l'aurore en prière. Donc nous bénissons Seigneur et nous sommes certains que et tu t'as une bénédiction pour et on va servir avec lui, on va méditer pendant semaine et on va partager avec tout l'autre monde que bon Dieu va mettre sur route. Tout ce que vous recevez, tout ce que vous avez, tout ce que vous gagnez, c'est pas pour oublier, c'est pour partager. Amen. Amen. À nous disposer que nous, pendant que nous pouvons le séparer, nous avons invité la sœur Nicole à faire une courte prière pour nous et nous allons retourner pour bénir. Voilà Dieu, merci Seigneur. Alléluia, gloire, merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Papa qui est dans le ciel, nous bénissons Seigneur, nous exaltons nos beaux gloires. Nous vous remercie, Seigneur, depuis le matin. Dans toute activité, nous, Seigneur, tu es avec nous. Nous t'es passé journée en bien. Nous vous remercie. Tout ça t'es sorti contre, ça t'a le travail, tu as notre protection. Nous bénissons, nous bons gloire pour ça, Seigneur. Et la soirée, tu es rendu possible pour nous être capables de la soirée dans l'étude là. Nous remercie aussi grâce qu'on fait nous, Seigneur Dieu, pour ça capable de vivre. Nous vous remercions pour tout ça que tu as parlé, pour tout ça, cet esprit de faire lumière sur lui-même et tout ça, tout cet esprit te permettre que nous te comprenions. Quand c'est chaque fois qu'on n'a pas pris pour nous connaître, pour nous capables de servir plus bien, pour nous capables de voir les bagailles plus bien, et pour nous capables de discernement dans le temps que nous y sommes, pour nous capables de comprendre ce qui a passé autour de nous. Pour nous connaître ça, c'est à travers la lumière de la parole de Dieu. À cela, nous vous remercions, Seigneur, pour la façon que tu as utilisé serviteur. Et pourquoi façon côté de préparer tout ça pour être capable de comprendre et lui-même pour être capable de transmettre à nous-mêmes. Nous vous remercions pour ça, soeur. Et nous vous remercions pour chaque monde qui est monté, côté rendu possible pour vous et vous êtes capable là. Et vous êtes capable d'apprendre. Et nous avons d'autant plus Seigneur aider vous, non seulement à apprendre ni à soeur, mais pour être capable de pratiquer et vous capable de partager à l'autre qui ne connaît pas, à l'autre qui nous fait nous toujours. Parce que nous-mêmes, nous avons une opportunité à et nous capable d'aider l'autre. Bah nous esprit de portage pour nous capables de partager. Et ça ne peut pas monter tout et ça ne peut pas placer yon contre côté yon. On va avec yon côté yon en tout cher Seigneur. Et à cela, nous bénissons pour ce moment ça que nous sommes en présence sous. Nous voulons gloire à chaque fois que nous sommes en présence sous. Que service, que ces études, nous fait nous bien. Nous voulons gloire Seigneur. Nous bénissons, nous exaltons. Et nuit, nous nous mettons à cela Seigneur. On va avec nous pendant la nuit, on va avoir toute protection pendant la nuit ça. Pour va permettre que nous réveillions, Seigneur Dieu, dans la présence ou encore, côté Seigneur Dieu, pour nous voir l'adorer en esprit et en vérité. Nous vous remercions, Seigneur, à soi, nous vous soyons ça, nous bon gloire, nous bénissons, nous exaltons et nous glorifions. Nous prions contre la Père, au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le qui est Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur chacun de vous et y demeure dès maintenant et à jamais. Amen. 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 Pasteur Paul, demain si Dieu veut, dernier dimanche du mois, oui, c'est prière pour les arts. Oh, très bien.
Demain, c'est dernier dimanche, pas vrai? Yes, oui, dernier dimanche, oh. Ok, ok. Pas oublier, mes bien-aimés, c'est pour aller.